Et c'est sur ce magnifique lever de soleil qu'on se retrouve, les amis, pour un nouvel épisode de Madventure. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Madventure. Exceptionnellement, pour cet épisode, je me retrouverai tout seul. Pourquoi ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons commencer notre dôme sous l'eau. En fait, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que c'était pas nécessaire d'avoir les conduits pour respirer sous l'eau, du moins pour commencer. En fait, ça sert vraiment à rien. J'ai déjà, alors d'ailleurs, regardez, bon, j'en ai pas pêché plus. J'ai 7 Nautilus Shell, mais on vient bon, plus qu'un et on pourra faire un conduit normalement. Donc c'est plutôt cool. J'espère que le dernier épisode avec Lady vous a plu. Pour le coup, je ne sais pas, je tourne cette vidéo le lendemain. Voilà, donc je n'ai pas encore eu vos retours sur le dernier épisode. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, tout simplement, j'ai passé trop un bon moment et ça me fait trop plaisir de pouvoir tourner avec mes acolytes comme à l'ancienne. Donc ça fait extrêmement plaisir. Il n'a pas d'Instagram par contre, Lady. Voilà, donc si jamais les filles vous voulez voir ce beau gosse, eh bien ça se passe sur sa chaîne YouTube. De même pour tous les acolytes, n'hésitez pas à aller passer sur leur chaîne, hein. Donc je pense notamment à Créo, à BXNO, à Anaïs, Tiamo, enfin tous ceux qui font du contenu sur Madventure. Alors Anaïs, elle fait pas de contenu sur Madventure actuellement, c'est bien vrai, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à passer également sur sa chaîne. Et puis moi j'ai un Instagram, hein, les filles, hein, si jamais... Oh putain, c'est bon. Alors, oh là, pas de vulgarité dès le début parce que sinon je vais avoir des problèmes. Donc du coup, pour le livre des abonnés, ça sert à rien que je vous le montre, hein, puisque comme je tourne cet épisode à la suite, il n'y a rien à voir. J'ai préparé donc des shulkers, donc avec du coup des glaces. Là, j'ai encore du sable en stock s'il le faut. Et je me suis pris un campfire, déjà, histoire d'avoir une petite déco à l'intérieur. Et on aura besoin d'éponges, les amis. On aura besoin d'éponges. Et j'ai vu que BXNO en a, donc je lui ai demandé si je pouvais lui en piquer. Donc il n'y a pas de souci, je vais lui en prendre. Et globalement, je vais tout lui prendre. Vous savez quoi? Parce que je pense pas qu'elle va venir sur le serveur actuellement. Donc je vais prendre ces 20 éponges. Et puis après il suffira de les refaire chauffer dans un four pour les... Enfin, une fois qu'elles seront mouillées, histoire de les réchauffer quoi, tout simplement. Avant qu'on fasse ça les amis, j'aimerais vous montrer mon monument de la victoire. Et j'aimerais aussi, parce qu'il me semble, que j'ai ce qu'il me faut. Putain, ils sont où? Où c'est que j'ai de la brique? Attends, normalement c'est alors ici. Voilà, j'ai de la brique pour faire des pots. Pourquoi les pots? Puisque du coup pour faire les pots de fleurs ou quoi, ou les pots pour mettre les arbres, je sais plus. Créo m'avait donné des idées et vous-même vous m'aviez donné des idées en commentaire. Je les ai plus en tête, donc je regarderai de nouveau les vidéos et les commentaires, etc. Mais du coup histoire que ce soit déjà fait, et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai avancé. En tout cas, on va faire aujourd'hui donc le dôme de verre. J'ai tout ce qu'il faut, hein, c'est bon. Même un bateau si jamais. Donc ça va être vraiment cool. En tout cas, on va le commencer et ça va être vraiment cool. D'ailleurs, pour le dôme de verre qu'on fera donc sous l'eau, il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on fait une entrée directement sous l'eau ou est-ce qu'on fait une entrée en extérieur? C'est une bonne question et j'ai vraiment envie de faire un truc à l'ancienne. Donc j'aimerais bien faire une entrée directement sous l'eau. Donc c'est pas RP en soi, mais j'aimerais bien faire ça parce que ça me rappelle vraiment à l'ancienne et j'ai vraiment envie d'avoir la nostalgie, tu vois. Donc je pense qu'on fera ça comme ça, tout simplement. On va voir ça dans quelques instants. En tout cas, voilà, pour vous montrer un petit peu l'idée. Donc le monument armure, donc j'ai un petit peu creusé. Évidemment, on n'a pas World Edit, on n'est pas en créatif, je le rappelle évidemment. Donc ça prend du temps et c'est très chiant. Ma pioche je la répare, vous avez vu dans le dernier épisode j'avais pas beaucoup d'XP parce que d'ailleurs faudra que je vous montre pourquoi j'ai pas beaucoup d'XP. C'est parce que vous m'aviez suggéré de fusionner un petit peu mes coffres, de fusionner mes arcs. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai perdu de l'XP dans le dernier épisode. Et là j'en ai de nouveau puisque j'ai farmé les Enderman dans la machine à XP. Donc voilà, pour avoir de nouveau, puisque j'ai mending, je rappelle, sur cette pioche, voilà tout simplement. Donc voilà, le monument des armures ça se passera comme ça. Donc comme Créo me l'avait suggéré, les armures de chaque côté. Et puis là il y aura le Saint Graal qu'on mettra en hauteur j'imagine. Et ce sera du coup le stuff du Nether, là, l'Enderite, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Découverte, livre vert, craft, recherche. Ah oui, j'avais fait une découverte de ouf, les amis, et personne me l'avait dit en commentaire. À chaque fois, je vous faisais chier. J'étais là en train de chercher les crafts, genre, ah, comment on fait pour crafter ci et ça? Alors qu'en fait, on pouvait rechercher ici, par exemple, Minecraft. Voilà, c'est incroyable, je ne savais pas ça, personne ne me l'avait dit, c'est incroyable. Voilà, donc ça change complètement ma vie. Voilà, je vous montre aussi, alors là normalement j'ai rien changé, voilà c'est pour le moment comme ça. Par contre j'ai agrandi ici, pareil, le monument à CD, donc là, oh oui il faudra mettre des torches par contre. Donc là globalement il y aura un grand CD géant, donc je pense avec de la laine noire, enfin on verra comment on fera. Au milieu il y aura une jukebox et puis il y aura des items frame avec tous les CD bien évidemment, donc les items frame je les ai mis là.
Voilà. Et donc ici les fleurs, j'ai rien changé, mais du coup je vais mettre les pots de fleurs dans le coffre, tout simplement dans le coffre en haut, ce sera bien plus simple. Donc voilà, je voulais un petit peu vous montrer les avancées pour vous montrer tout simplement au fil du temps. Voilà, parfait. Donc on va se diriger tout simplement les amis directement à la mer pour commencer notre dôme et on va voir comment on va le faire. Et je suis méga hypé par ce projet et j'espère que vous l'êtes tout autant. Voilà, tout simplement. Donc let's go, let's go. On va évidemment faire un dôme symétrique. Le but du jeu par contre, j'aimerais pas faire un dôme trop grand, pas trop petit non plus, mais voilà, un petit dôme en fait. Genre pas minuscule hein, mais un petit. Vraiment histoire que ce soit discret, chill, dans les coraux, que ce soit illuminé, joli, qu'on puisse y vivre finalement. Voilà, vraiment pas un truc géant comme on a déjà pu voir, c'est pas le but du jeu. J'ai vraiment envie de faire un truc à l'ancienne avec une porte sous l'eau pour l'ouvrir. Enfin vous voyez ce que je veux dire, vraiment c'est l'objectif quoi. Donc je vais préparer mon bateau et puis on est parti. Par contre j'ai pas pris le four sur moi, ce qui est très bête de ma part. C'est pas grave, normalement on va se débrouiller. Donc on va aller là-bas, j'aimerais bien enlever le shader pour qu'on voit un petit peu mieux. Mais vous inquiétez pas parce que sous l'eau on voit bien avec le shader. Quoi qu'il arrive. Mais là du coup c'est vrai que à la surface on voit pas très bien. Et c'est par là que j'aimerais m'installer il me semble. Mais comme dit là on voit même pas. Si attendez, je vois un petit peu les coraux là. Non c'est juste la surface, je vais trop loin. Donc je sais pas où aller, je vais me jeter. Ah ouais non on voit pas de ouf là. Ah on voit pas de ouf, c'est pas aussi beau que ce qu'on pourrait voir sans les shaders. Donc je me permets de les enlever les amis, ça va piquer les yeux. Mais sous l'eau ce sera très très beau, donc c'est l'essentiel, hein, tout simplement. Hop, voilà, là tout de suite on voit mieux. Voilà, là tout de suite c'est un petit peu mieux, là on a des petites lumières. Voilà les coraux, voilà c'est là-bas, regardez. C'est là-bas, là on a plein de coraux. Nickel, ah tout de suite on voit mieux, hein. Tout de suite ça donne un petit peu plus envie. Alors où c'est qu'on va s'installer? Parce qu'évidemment je vais pas faire le dôme là-dedans, puisqu'il y a les coraux, faut que je fasse ça à côté. Voilà, entre, parfait, juste ici là. Juste ici. Entre les coraux ici et les lumières là-bas. Après évidemment rien ne nous empêchera de réajuster, de rajouter des coraux par nous-mêmes hein, évidemment. Donc ce qui est sympa c'est que bon là la render distance, il faudrait que ça se raffiche. Mais du coup là-bas, sur cette petite terre, c'est là-bas qu'il y a la maison donc, de BXNO, le M-Cocon, de là où on vient quoi. Et là-bas en suivant la terre, on retourne à notre première île de départ. Donc voilà, c'est incroyable. Donc on va s'installer là, ça va être assez cool. Et je vais juste manger un coup. Et on va plonger directement, donc on a vraiment pas besoin du coup de conduit pour respirer sous l'eau, hein. Il suffit juste de faire des allers-retours. Par contre, ce que j'avais pas pensé, c'est que du coup j'ai pas posé la shulker box. Est-ce qu'on peut la poser sous l'eau? Parfait, on peut. Donc voilà, on va voir comment on va faire. Pour le coup... Putain, c'est super profond, c'est nickel. Vraiment, je m'attendais pas à mieux. C'est super profond, donc vraiment, on va pouvoir faire un truc sympa sans que ça déborde. Sans que ça dépasse le haut, quoi. Donc écoutez, on va faire une extrémité ici. Je sais pas de combien on va le faire, mais on va le faire. Attendez, plus proche des coraux quand même. Ah là là, il faut que je me décide. Ouais, on va le faire ici sur ce terrain. C'est bon, attendez, laissez-moi respirer. On va faire ça comme ça, c'est nickel. J'ai le truc en tête. Je sais toujours pas la longueur, etc. Mais on va se débrouiller. Donc, hop, ça va prendre du temps hein, pour le coup le processus, parce qu'il faut à chaque fois respirer. Voilà, là pour le moment je pose au hasard tout un truc. Et puis là je pense qu'on va commencer à faire un cercle. D'accord. Voilà, là je vais mourir. Ah. Ça bon, j'ai du bon stuff quand même. Alors là j'ai posé combien de blocs? J'aurais dû compter, je suis un tocard. J'aurais dû compter, bon c'est pas grave. C'est pas... En vrai c'est pas très important. Si c'est important de savoir en fait. C'est pour faire un cercle, c'est important. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est quoi ce bruit? Attendez, c'est dans le jeu le bruit là? Eh, ça m'a fait super peur! Oh, par contre, ça va être génial quand on va être sous le dôme parce qu'on va, avoir des bruits d'ambiance super flippants en vrai! Bon, j'ai mis 14 blocs normalement. Donc, ça, c'est bon à savoir. 1, 2, 3. Mais là, ça va pas du tout ressembler à un cercle. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais attendez, je suis complètement teubé ou quoi? Mais c'est pas bon du tout, mais je suis un tocard, mais vous allez m'insulter! Évidemment que vous allez m'insulter! Il faut pas faire ce que je viens de faire là, j'ai posé des blocs n'importe quoi pour faire un rond, il faut bien... Ouais, je suis désolé, ouais. Pff, voilà, ok. Ah ouais, c'est chiant parce que c'est plus rapide à poser qu'à casser, mais bon, forcément. Donc là c'est bon, on est sur la bonne voie, donc là il faut que je fasse ça comme ça, hop, hop. Puis à un moment donné, il va falloir tourner quoi. Genre là on va mettre 3. Comme dit, je veux pas faire un grand dôme. Hein. Oh non, ça c'est chiant ça par contre. C'est très chiant. Voilà, parfait. Comme ça, impeccable.
Par contre là je vais vraiment mourir. C'est bon, j'ai enfin le visu en tête, c'est impeccable. Oh mon dieu, c'était compliqué hein. Parce que là ce sera comme je le souhaite je pense. Ce sera peut-être plus un losange, on verra. On va voir, on va voir. Allez, je replonge. On va placer les blocs. Non, je les ai mal placés mais vous inquiétez pas. Ouais, ça va plus être un losange quand même. 1, 2, 3, 4. Tac, tac. Ce sera suffisamment grand. Hein. Ce sera bien. En fait, c'est pile la taille que j'aimerais, je vous jure. C'est pas pour faire genre, mais c'est pile la taille que je veux. Ni trop grand, mais c'est pas non plus trop petit. Et après, on pourra toujours l'aménager un petit peu comme on veut. Et j'ai plein d'idées. Vous m'avez donné des idées sur Discord, d'ailleurs. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Dans la description, il y est. Mais vous m'avez donné des idées et tout, genre... bah, du coup, ça vient d'une vidéo de Fuse où il découvre, enfin, où il teste des astuces TikTok. Voilà. Du coup, c'est assez sympa pour le coup. Attendez, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui. Donc là, à partir de là, faut que j'en mette 4. Ah, vite, 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 vite. 1. Enfin, du coup, 1, 2, 3, 4. Vous inquiétez pas, hein, pour moi, tout va bien. Ah ouais, mais là, il faut que je mette du sable ou quoi? Là, on a un problème de terraforming. Là, on a un problème de terraforming, les amis. Comment on pourrait faire? Ah mais non, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Et j'ai pas d'autres blocs. J'ai pas d'autres blocs, donc ça m'embête un peu d'user du sable. Enfin, d'user de la glace. Mais non, mais attendez, mais je suis complètement bête. J'ai du sable. Tout va bien, tout va bien. Est-ce que je peux poser? Vous pensez que je peux poser la shulker, là, contre le bateau? Non, c'est pas possible. Ouais, je vais me faire foutre. Let's go. Let's go, let's go. Hop. Voilà, récupère-moi un peu de sable. Et juste... Voilà, on va juste faire ça. On fera le sol nous-mêmes. Hein. Vous inquiétez pas. Voilà. Très bien, je vais remonter. Ok. En vrai, ça va être assez... L'avantage, c'est que bon... bon, il y a de l'eau, c'est terrible. Mais le dôme, il est pas très grand. Donc en vrai, c'est pas trop compliqué. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment un truc assez sympa. Donc... J'ai vraiment du mal à me mouvoir... C'est assez compliqué. À partir d'où qu'il faut faire 4? À partir de là où je suis. 1, 2, 3, 4. On a un problème de symétrie, les gars. Ah, mais non, mais je suis. Non, c'est bon, tout va bien. Faut juste que j'avance encore un peu. Tout va bien, tout va bien. Waouh! Bon, au moins, on arrive à faire un truc symétrique, donc c'est cool. En vrai, c'est cool. Parce que moi, la symétrie, ça fait 32, donc. 1, 2, 3, 4. C'est parfait, là, ici. Voilà, donc là, faut juste casser les blocs qui nous dérangent. Voilà, et là on a un petit cercle assez sympa. Alors normalement c'est plus grand d'un côté que l'autre. Donc c'est plus ovale en fait, voilà. C'est plus un dôme ovale, mais de très peu quoi. Oh c'est bien. Ça se peut en vrai, c'est un vrai cercle non? Ça m'a tout l'air. Écoutez, je vais casser, je vais faire des coupures hein, durant cet épisode évidemment pour pas vous saouler hein. Mais je vais casser là les blocs qui sont juste là, qui sont mal mis, et puis comme ça on va pouvoir continuer. On est très bien. Ouais non, c'est plus un ovale, ouais. C'est plus ovale qu'autre chose, mais c'est très bien. Voilà, là il y a plus de blocs parasites hein, comme on pourrait les appeler. Et donc là ça me fait un petit truc assez sympa. Ok, donc là il y a plus qu'à remonter en fait, de remonter jusqu'à ce que ça monte tout en haut quoi. Ça n'a aucun sens ce que je raconte. Du coup ça veut dire qu'il faut faire ça. Ça va être un petit peu plus relou pour le coup. Ok, ça va, en vrai ça va vite si je me débrouille bien. Parfait. En une respiration on peut déjà faire un côté, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, allez, je continue, je pousse le vis. Allez. Ah, j'ai mal posé un bloc, fait chier. Faut que je regarde un peu mes cœurs. Ouais, faut que je remonte. Oh oui, faut pas oublier que c'est profond quand même. Oh là là. Oh là, ça commence à devenir assez compliqué là. Ça commence à devenir assez compliqué. Ok, c'est parti, on y va. Ça va, la respiration se reprend assez vite. C'est sûr qu'avec un conduit, ça aurait été plus simple hein, pour pouvoir respirer, forcément. Mais voilà, hein, pour le coup, je me suis dit, c'est peut-être pas nécessaire. Donc là, il faut encore. Remonter d'un comme ceci. Là, je vais crever sans aucun doute. Ok, bon, du coup, vous avez compris le processus, les amis. On va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut et ça va être vraiment, vraiment pas mal. Donc, c'est ça hein, le but de l'épisode. Hein. Vous attendez pas à de la déco aujourd'hui. Ça dépendra. Peut-être qu'on fera de la déco un petit peu. On commencera, mais je ne vous promets rien. Déjà, on va s'occuper du sol, de la lumière, de l'éclairage, tout ça, tout ça. Ce sera déjà pas mal. Bon, déjà, on va finir le dôme. Et ce sera déjà cool. Voilà. Ah, il y a un petit problème de symétrie, quoi. Voilà, c'est bon, j'ai rien dit. En fait, le problème, c'est que j'ai tellement posé des blocs n'importe comment. On y verra plus clair une fois que le dôme sera fini et qu'on enlèvera l'eau à l'intérieur. Mais,
Mais du coup voilà, comme il y a des blocs un peu posés n'importe comment, ça fait un petit peu peur. Et je pense pas que j'aurai assez de verre, j'ai un peu peur. J'ai encore du sable en stock, heureusement. Mais j'ai un peu peur qu'on ait pas assez de verre. Ce serait pas une très grande surprise qu'on ait pas assez de verre. Tu vois là par exemple, il y a un problème de symétrie. Ah non, pas du tout. C'est génial. Allez. Et là... Waouh! Là, eh bien, attends, mais mes cœurs ils perdent super rapidement là par contre. Il me reste quoi là? Pourtant, toute mon armure va bien. Là, le soleil va se relever, c'est sympa. Bon, en vrai, hein, on était bien hein, la nuit. Hein. Très sincèrement. Allez, on y retourne. En fait, là, mes cœurs, faudrait qu'ils se régènent parce que c'est pénible. Eh, hey, il est où mon dôme? Il est là. Tout va bien. Ah, oh, c'est joli les coraux, regardez. Ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Attendez, j'ai encore régène mes cœurs. Et puis, on y retourne, les amis. Moi, j'espère que vous allez vraiment très bien et que bah voilà que vous suivez encore à fond la série, hein, tout simplement. Ok. Bon, on devient bon en vrai, on se rapproche de l'objectif. On se rapproche de l'objectif, les amis. Ouais. Très bien. Je suis sûr que ça doit vous stresser là, que je perde des cœurs. Faut que je commence à dégager un peu les blocs parasites parce que là je suis un peu perdu. Là j'ai un problème de symétrie. Eh ben non. Bah si. Ça va pas. Non mais je pense que c'est normal. Attendez. Mais non mais en fait tout va bien. Mais c'est bon. Mais vous savez que j'ai pas vu la symétrie, mais les gars c'est totalement symétrique depuis tout à l'heure, je comprends pas. À mon avis c'était pas symétrique et j'ai dû réparer le problème sans le faire exprès. Et du coup ça me perturbe de ouf, mais là c'est symétrique, ça peut pas être plus symétrique que ça. Ah c'est sur le devant qu'il faudrait rajouter. Comme ça là. Pour faire plus genre. Et à de toute façon à l'intérieur on cassera les blocs en trop, hein, vous inquiétez pas. Parce qu'à l'intérieur de toute évidence il y a des blocs en trop. Mais là il faut juste faire déjà l'extérieur quoi. Très bien. Ouais c'est symétrique des deux côtés, c'est incroyable. Enfin des quatre côtés du coup. Si on peut dire qu'un rond ça a des côtés, parce que finalement des ronds ça n'a pas de côté, mais sur Minecraft c'est vrai qu'on peut quand même parler de côté. Allez on y retourne. Maximum de pouces bleus pour m'encourager. On a bientôt fini cette partie et ça c'est cool. Ah c'est peut-être pas symétrique en fait. Ouais c'est peut-être pas symétrique en fait. Ah! Et là commence le problème. Là commence le problème de symétrie. Ah, mais non, mais je suis juste un. Je suis juste un mongol, attendez. Ah oui, non, il y a un problème de symétrie là. Ah non, mais c'est moi, je suis un mongol, attendez. Faut casser ça. Tu vois, en fait, le problème, c'est que comme j'ai misclic des blocs. Ouais, c'est bon, je vais casser ça et c'est bon. Comme j'ai misclic des blocs, bah du coup bah j'ai l'impression que c'est pas symétrique. Et du coup ça peut me porter à confusion alors qu'en fait il suffit juste de casser le bloc que j'ai mal mis. Il y a des bruits très 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 étranges. Hein. Et puis voilà. Là c'est bon. Bon par contre du coup il faut mettre ça là. Voilà. Et puis on va continuer. C'est pas facile de se déplacer sous l'eau hein, par contre. Hein. Je dois dire que c'était plus simple avant. Hein. Et je puis me permettre mais ce n'est que mon avis. Là il va falloir se concentrer parce que je comprends rien à ce qui se passe. Je ne comprends rien à la situation. Bon là j'ai un bloc en trop de toute évidence. Waouh, ça ressemble plus à rien le dôme. Enfin si mais je veux dire, en vrai c'est stylé le fait qu'il soit pas symétrique. Mais en réalité il l'est, mais comme j'ai mis ce clic des blocs. Faut que je me concentre les gars. Désolé si j'anime pas trop. Ok déjà il faut que j'enlève ce bloc là. Et juste en enlevant un bloc, ça fait tout de suite flash, tu te dis ah oui donc c'est bon, il faut faire ça comme ça tu vois. Alors hop on mange. Alors voilà, là ça commence à devenir un peu plus agréable à regarder. Et c'est là qu'on a un problème. Mais un problème très léger hein. Eh oui il suffit de casser ce bloc là. Voilà c'est bon et ce sera symétrique. Voilà. Voilà. Là c'est pareil que là-bas. Si je me mets au milieu, je vois le milieu. Là, je vois que c'est pas bon, ça. Parfait. En vrai, on avait assez de verre, c'est bon, ça. Et puis là, il suffira de terminer, regardez. On est bon. Donc ouais, c'est plus un ovale, hein, du coup. Là, de toute évidence, c'est un ovale, mais c'est très bien. C'est-à-dire qu'on aura plus de place d'un côté que de l'autre. Et ça me plaît. Alors, laissez-moi réfléchir 2 secondes. Ok, donc. On ferme ici. Et là, on n'a plus qu'à monter, en fait, voilà. Non, j'ai mis ce clic un bloc, ça, c'est très chiant.
Voilà, et là les gars, est-ce que je suis régalé? Est-ce que je suis régalé? Là je crois qu'on est bon hein. Là le dôme est parfaitement comme je le voulais. En tout cas je veux dire il est symétrique. Je le voyais peut-être un petit peu plus haut, mais en vrai ça va je pense. On va regarder à l'intérieur comment ça range. J'ai mes éponges qui sont prêtes. Donc pour ce faire on va rentrer alors on va rentrer, donc nous on viendrait par là du coup. On viendrait de là donc. Il faudrait que l'entrée... Je suis perdu. On viendrait de là. What? Ouais, on viendrait de là. Donc l'entrée, elle devrait être par là. Bah l'entrée, on va la mettre là, les gars. Ouais, mais c'est pas symétrique, du coup. Ah, ouais. Ah, mais si, mais je fais une double entrée, du coup. Je vais faire une double entrée. Oh, là, j'ai un problème de symétrie, les gars. Ah, ouais. Là, j'ai un problème de symétrie. Aïe, 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 aïe. Ah, ça me casse la tête, les gars. Ça me casse la tête. Cet épisode est incroyable, mais vous inquiétez pas. J'ai compris... L'erreur. Faut que je casse ça. Et en réalité, faut que je casse ça aussi. What? Ah, et ça, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, vous avez juste un bloc qui est mal placé et ça te perturbe tout. What? Mais oui, c'est bon, attendez. En fait, j'ai placé tellement des blocs n'importe comment. Mais bon, je suis content parce que je m'en rends compte, donc ça va. Là, ici, c'est ce bloc-là qui perturbe. Putain, c'est impressionnant. Voilà, et là, là c'est bon. Ah, c'est bon ça. Et ben voilà. Après, les autres côtés, je pense que c'est bon aussi. Hein. Ah non, là c'est pas bon. Là j'ai le même problème. Ouah, je comprends rien. Là par contre, je comprends pas. Je comprends pas où est l'erreur. Là t'en as deux. De toute évidence, là il faut en mettre deux. Donc là, un. 2. Voilà. Bah c'est bon. Bah voilà, c'est bon, problème résolu. Ouah, c'est marrant quand même, hein. Ça paraît super complexe et puis après, bah, ça se fait super facile. Là, c'est symétrique. Et puis de l'autre côté, là, c'est symétrique aussi, normalement. Ah, là, j'ai un bloc qui est mal mis, par contre, pour le coup. Dégage. Mais pareil, ça, c'est un bloc misclic, hein. Voilà. Et puis voilà, bah c'est bon. Là, on a fait le tour du proprio, c'est parfait. Bon, du coup, l'entrée, j'ai toujours pas la réponse de comment on va la faire, mais enfin. C'est vrai que j'aurais dû la faire surélever, en fait. Enfin, j'aurais dû d'abord monter avant de faire le dôme. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bon, du coup, l'entrée, on va la faire là. Donc, on va casser, en fait, les blocs là en profondeur. Hop. Pareil ici, avant que je meure. Allez, come on, come on. Là, on peut pas passer encore. Donc ouais, en fait l'idée, donc j'aimerais bien y aller en nageant en fait du coup. Et il y aura toute une zone safe où on pourra respirer sous l'eau avec du coup là il y aura des conduits, vous voyez. Tout autour il y aura du conduit. D'ailleurs un seul ça devrait suffire. Mais et du coup j'aimerais bien rentrer en nageant. Voilà. Donc on mettra des portes à l'ancienne quoi. Et ben voilà. Alors par contre là il faudra mettre du sol. Voilà. Et là on va mettre les portes que je n'ai pas sur moi. Ok, on est bougé pas. Et ben voilà. Ah bah très bien, comme ça on a une petite bulle d'air, ça fait du bien par contre. Ça fait du bien. Alors, je vais mettre du sable, juste en attendant. Enfin non, en fait non, je vais rien faire du tout, je vais juste mettre les éponges déjà. Ce sera pas mal. Alors j'ai rarement utilisé les éponges, comment ça marche? Ah ça va être très très chiant. Hein. On va commencer par le haut en vrai. Voilà. Ça devrait pas être trop long. Et je pense que les éponges devraient suffire. Alors. Oh, en vrai peut-être pas. Wouah, la galère. La galère de ouf. Cassez-vous. Ça va, ça baisse d'un niveau par contre. À chaque fois, ça baisse d'un niveau. Ça, c'est pas mal. Encore un là. Ah, ouais, bah j'ai plus d'éponge. J'ai plus d'éponge et les éponges sont mouillées. Donc, il va falloir que je les récupère. Est-ce que je peux les casser à la main? Parfait. On va devoir faire chauffer, donc de toute façon c'est pas grave, on va retourner chez nous pour les refaire chauffer. Et puis comme ça on pourra ramener des éléments de déco, genre pour faire le sol, etc. Je pense que ça peut être plutôt cool. Et en vrai à première vue on est bien. À première vue j'aime bien le dôme. Malgré que je l'ai fait peut-être un peu trop serré au niveau du dessus. Ça peut le faire. Mais s'il le faut on creusera. Hein. Comme là on sera tranquille, il n'y aura pas d'eau, on va creuser vers le bas. Pour faire une sensation de dôme plus grand en vrai. Hein. Eh, en vrai c'est une bonne idée hein.
Par contre, mon éponge, elle est partie genre en mode courant là. On va se calmer direct. Dans ce dôme, j'aimerais bien donc une petite zone avec un petit peu informatique, donc avec un setup gaming, genre avec ordinateur, etc. Donc ça, c'était donc une idée que vous m'aviez proposée. Chose que je ne pourrais pas faire dans mon M-cocon, dans le grenier, tout simplement bah, parce que c'est trop, ce serait trop serré. Et puis voilà, on verra ce qu'on fera dans ce dôme. En vrai, on y fera bon vivre. Parce qu'en vrai, je ne sais même pas si je m'installerai vraiment dedans officiellement pour la survie, étant donné que j'ai tout dans le M-cocon. Alors c'est juste à côté, de toute façon. Donc je vivrai un petit peu dans les deux, finalement. Voilà. J'entends un squelette. Ah, ils sont dehors. Eh, ça va les zigotos? Bon. Alors en attendant, on va faire cuire donc le... Enfin, on va faire cuire. On va faire chauffer juste ici. Voilà, parfait. Les éponges. Je vais diviser en deux pour gratter un petit peu de temps. Et nous, on va dormir et récupérer des petits trucs. What the fuck? Oh, il m'a surpris par contre. Ah, il s'est bien visé par contre. Hein. Allez, dégage. Putain, mais d'où il a spawn? C'est pas assez éclairé? Sans déconner là? Enfin, avec les shaders, ça donne l'impression que c'est pas vraiment éclairé, mais en vrai, c'est super bien éclairé. Du coup, on pourrait se faire un sol en bois, mais en même temps, on pourrait se faire un sol en quartz. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisque du coup, j'en ai récupéré, en vrai, juste le sol, hein, vraiment, hein, juste le sol. En quartz, ça peut être mignon. Avec le quartz, on peut faire quoi, peut-être, comme dérivé? Voilà, l'avantage, c'est que du coup, ici, je peux taper quartz, ouais, voilà. Des blocs de quartz, donc ça, c'est ce que j'ai. Des piliers. La chisel, j'aime pas. Hein. La chisel, j'aime pas. Bon, déjà, on va faire des slabs. Déjà, on va faire des slabs, puisque du coup, comme on va faire le sol, on n'a pas besoin d'user autant. Et ça suffira même, en vrai, je pense. Voilà, très bien. On va se ramener, alors attendez, des petits éléments pour la survie. Donc, normalement, j'ai déjà un coffre sur place. J'ai pas beaucoup de bois. On va faire une table de craft pour là-bas. Tout simplement. Ah, j'ai vraiment pas beaucoup de bois, je vais piquer chez Marion. Hein. Je vais en piquer chez Marion, les gars. Ouais, ok. Bon, vas-y, on va dodo. Et on y retourne. Donc, j'ai déjà un campfire là-bas. Mais si, attendez, comme élément de décoration, il y a moyen d'avoir des petites lumières en vrai, non? Là, je peux faire de la glowstone, mais. J'ai quoi comme. Mais elles sont où toutes mes lumières? Ah, là, voilà, des lanternes, des 6 lanternes. Voilà, je me disais bien, j'avais bien des décos, quoi. Ok. Ouais, bon déjà voir ça comme ça. Bon, les plantes là, on s'en fout. On verra, on avisera. Déjà, on va voir à quoi ça va ressembler. Et puis, on avisera. Ça va forcément évoluer. Ça va se développer, pardon, etc., etc. Faudra vraiment que je fasse des live minage, hein, les amis. Hein. J'en ferai. Mais pour le coup, les live minage, je suis désolé, mais je les ferai que sur Twitch. Parce que ça n'a pas trop d'intérêt de faire ça sur YouTube. Du coup, voilà, let's go. Let's go to the party. On va récupérer nos éponges. Mais il y a encore un squelette à l'intérieur, mais c'est impressionnant. Eh, Marion, il y a un problème, hein, dans la maison. Hein. C'est pas assez isolé ou quoi? J'arrive même pas à le tirer dessus, je suis tellement nul. Voilà. C'est incroyable. Ah, ils sont pénibles. Allez, on y retourne. C'est parti. Bon, ça fait quand même un petit chemin à faire. Hein. Ça fait quand même une petite trotte, hein, pour le coup. C'est un peu terrible. J'ai toujours ma canne à pêche sur moi, les amis. Vous savez que je suis un grand pêcheur ces derniers temps et que dès que je peux pêcher, je le fais. C'est pas pour rien que du coup j'ai mes petites Nautilus Shell. Hein. Et encore une fois, bah, c'est motivant de ouf parce que depuis que j'ai cet objectif d'avoir les Nautilus Shell, je ne fais que pêcher. Et je kiffe Minecraft pour la pêche. Genre si je sais pas quoi faire et que bah, voilà, j'ai la flemme de faire des trucs sur Minecraft, bah je pêche tout simplement. Vraiment, c'est mon petit passe-temps, c'est mon petit plaisir. Voilà, ça fait extrêmement du bien. Là, on commence à voir les petites lumières. Donc on sait que le dôme n'est pas très loin. Là, on est avec le shader, donc c'est sympa. Je vois pas. Mais je sais que ça va être par là. Par contre, on va éviter de mourir. Ah, le bateau est là. Le bateau est là, donc on sait que ça va être par ici. À mon avis, j'ai dû changer des paramètres. Faudra que je revoie ça parce que ce shader, il est magnifique sous l'eau. Hein. Il est magnifique en vrai. Hein. Tu fais quoi, toi? T'as cru que c'était Noël? Ah ouais, non, on va enlever le shader, les gars. Ah, je m'excuse, mais on va enlever le shader parce que là, c'est juste dégueulasse. Vraiment. Et pourtant, je vous assure qu'avec ce shader, normalement, sous l'eau, c'est beau. Dans ma vidéo présentation, quand je vous ai montré sous l'eau, c'était stylé, en vrai. Hein, je comprends pas. Bon. Du coup, hop, les éponges, c'est à vous de jouer. Oh oui. Ça va être sympa. Allez, j'espère que ça suffira. Oh. On vient bon. On devient bon. On devient bon, les gars. J'ai encore de l'eau un peu capricieuse pour le coup. Voilà, là ça s'est enlevé. Yes, encore ici. On va voir. Ah, c'est d'éponge. Ouais, c'est bon. C'est bon, les gars, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau du tout. Ok, c'est fantastique.
Ok, ça c'est bon, on va récupérer les éponges avant toute chose. Et on va tranquillement éclairer. J'ai une pelle sur moi, ça c'est parfait. Donc pour évidemment casser le sable. Nickel. Donc on va mettre du quartz au sol. Je pense très sincèrement que ce sera une bonne chose. Mais avant ça, on va creuser en profondeur pour avoir plus d'espace. Parce que vous avez vu, du coup, on est forcément proche du vitre. Des vitres ici, c'est un peu chiant. Donc on va un peu casser. Et je pense qu'on va aménager ça un peu à notre sauce différemment. Vous allez voir, vous inquiétez pas. Là, premièrement, on va enlever la... Ah, ça c'est embêtant ça. Heureusement que j'ai encore de la glace. Ça c'est embêtant, comment ça se fait? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Ah bah oui, il est censé y avoir deux... Ok, non, c'est bon, tout va bien. Tout est normal. Tout est under control. Donc on va enlever la première couche de sable. Et je pense qu'on va enlever une deuxième couche encore. Enfin, du coup, c'est de la pierre qu'il y a. Mais on va enlever cette deuxième couche. Je pense que ça peut être une bonne idée. Enfin, en vrai, on va se mettre à ce niveau-là. Et du coup, on met le slab, les slabs ici, je pense. Attends, on va réfléchir. Déjà, je vais enlever le sable, ce sera déjà pas mal. Je vais mettre des petites lanternes là, en attendant pour éclairer. Ce sera déjà pas mal. Par contre, si j'enlève la pelle, c'est un peu chiant. Voilà. Et voilà les amis, je viens d'avoir une idée en même temps que je fais ça. Les gars, je viens d'avoir une idée, vraiment. Du coup, là, j'avais comme idée... Attendez, on va juste éclairer avant que les monstres spawnent. J'avais comme idée, finalement, de mettre le quartz à cette hauteur. Mais je me demande pourquoi pas la mettre à cette hauteur. Bon, donc évidemment, on peut pas poser des trucs par-dessus. Mais d'où l'intérêt est que ce sera super original et qu'on pourra, si on a besoin de poser des par exemple, une table de craft, bah justement, de surélever et de pouvoir, par exemple, du coup, la poser, bam. Et du coup, ça nous permet de faire des petits trucs originaux et ça me donne une idée. Genre, je pourrais mettre un lit. Alors là, apparemment, il y a des blocs qui sont mal mis. Ah, attendez. Ça me dérange. Ah, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi ça me fait une sensation que... Oula. Et puis il y a des bruits étranges toujours. Faudra qu'on regarde ça les amis, je regarderai ça. Mais du coup, j'avais comme idée de mettre mon lit, genre en hauteur, en haut, au milieu un peu, tu vois. Voilà, c'est des idées comme ça toutes bêtes, mais vraiment hein. Donc on va voir comment ça va rendre et du coup là on va mettre vraiment à cette hauteur le sol, d'accord? De sorte à ce qu'en plus du coup on soit un petit peu plus bas et finalement regardez. Là on est tranquille pour voir un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Là on verra les murs comment on les fera. Pour le moment je sais pas comment on va faire les murs. En tout cas voilà, pour l'essentiel on a déjà bien avancé et ça fait plutôt plaisir. Par contre j'aurais pas assez de quartz je pense. Donc j'ai bien fait d'avoir fait des slabs pour le coup, je suis assez content de moi. Parce que évidemment les slabs... ça nous permet d'économiser, hein, de toute évidence. Donc on va faire ça, on fait le sol, les escaliers. Tiens là, du coup on va faire un truc genre... Alors attendez, déjà de toute évidence. De toute évidence, il faut qu'on casse ça. Il faut qu'on fasse ça. Ça. Et qu'on mette les portes. Tiens, les portes, on les met comme ça. On peut les mettre dans le sens en vrai. Attendez, dans tous les cas, ça change rien au fait qu'on va faire un escalier. Et du coup, on va pouvoir faire un escalier en mode smooth, regardez. Voilà! Super, super sympa en vrai. Ça fait un petit truc original. Du coup, les portes dans ce sens-là, c'est bien. Eh, c'est mignon dans ce sens-là, les portes, je trouve. Bon, on verra hein, pour la déco. Hein. De toute façon, dès qu'on aura un conduit et qu'on pourra respirer sous l'eau à l'infini, ça va être fantastique, on va s'amuser de ouf. Et c'est bientôt, donc c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Ok, du coup, hop, on bouche ici. Bah, du coup, on va fermer là. Hein. Voilà. Normalement donc j'ai une table de craft, ça tombe bien. Hop. Ah. On continue. En fait c'est une bonne idée le sol en quartz. J'avais un peu peur que ça fasse too much, mais du coup bah non, puisque comme c'est que le sol, c'est super... Ah, c'est pas original, mais c'est super cool en vrai. Ça fait sympa. Ça ressort tu vois. On est dans un univers bleu avec des coraux de lumière, on a des lumières du rose, du jaune, et là t'as du blanc comme ça qui sort, c'est quand même bien cool. Bref, faut voir les murs comment on les fera encore une fois, hein, je le répète. J'ai encore du quartz, parfait. Je pense que j'en aurai tout pile assez. Si vous avez des idées, les amis, bah encore une fois, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me suggérer en commentaire toutes vos astuces, toutes vos idées. Là, par contre, je vais pas reboucher avec du quartz, vous avez rêvé. Voilà. Hop. Et ouais, du coup, comme dit, en fait, faire une plateforme un peu comme là, mais en hauteur, en haut, pour faire du coup le lit, par exemple. Ou pour mettre d'autres choses, d'ailleurs. Hein, on pourra se permettre de mettre d'autres choses. Donc là, les lanternes, je peux pas les poser. Bon, attendez, en attendant, je vais faire ça. Voilà, juste en attendant. On verra, je pense, je ferai de la déco.
Surtout que, attendez, les gars, en 1.16, on aura une sorte de nouveau bloc, c'est des chaînes. Et du coup, on pourra suspendre les chaînes. Bon, peut-être dans un dôme de verre, suspendre des chaînes, c'est un peu dangereux. Mais on pourra faire ça et mettre les lanternes, tu vois. Il me reste deux blocs de quartz. Ah, c'est trop juste. Alors, je peux casser ça, mais... Attendez, j'ai de la chance, les gars. Normalement... Non, j'ai que des blocs de quartz. Oh, c'est trop juste. J'ai tout pile pas assez, quoi. Un peu dégoûté. Je vais mettre des torches en attendant, du coup. Là, au moins, ça, c'est ce que je peux poser sur les... Sur les murs. Je pense qu'on mettra des 6 lanternes. Plus sincèrement, plutôt que les... plutôt que ça, là. Je pense des 6 lanternes. Et au pire, en 1.16, on mettra les lumières bleues. Oh là là, enfin, ça va être fantastique. J'ai vraiment hâte que la 1.16, elle sorte, les gars. Vraiment, ça va être vraiment insane. En tout cas, voilà pour le dôme. Je trouve que c'est sympa. On va voir si la symétrie est bonne. Du coup, on va commencer dans ce sens. Donc, c'est tout bon. Là, c'est pas bon. Donc, vous voyez, par exemple, ce bloc-là, il est en trop. Voilà, parfait. Parce que je l'avais utilisé pour poser les blocs au-dessus. Je m'en rappelle. Là, c'est pareil. Ça, c'est en trop. Et non, en fait, là, on a un problème de symétrie. Putain, c'est abusé. Là, il y a un problème. Ah, bah voilà, il faut que je casse ça. Eh ben oui, voilà. Bah nickel, regardez, ça fait encore plus grand. Parfait. Bon, là, il faudra que je me mette à nouveau une dalle. Voilà. Oh là, c'est bon ça, quand tu découvres que c'est encore plus grand. Là, pareil, ça, il faut casser. Nickel. Nickel, nickel. Et là, voilà, il faut casser là. Parfait. Et ben là, officiellement, c'est symétrique juste en haut. J'ai un problème, je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller voir c'est quoi le problème en haut, je comprends pas. Il y a un problème, les 4 blocs qui sont posés. Et ben alors, regardez, j'ai un problème, c'est chelou. Je comprends pas, les 4 blocs qui sont posés. Et ça se donne l'impression qu'il n'y en a que 3. Enfin, vous voyez c'est quoi le problème? Ce que j'essaie d'expliquer, mais c'est... What the fuck? Attendez. Voilà, parfait. Et comme ça, là, je peux monter. Et ben, je suis un boulet aujourd'hui, ou ça se passe comment? Alors, il se passe quoi, là-haut? Je comprends pas. Ah, mais parce que voilà! Mais parce qu'il n'y a pas de bloc ici, attendez, bougez pas. Bah voilà! Tout ça pour ça, sérieux là? C'est bon. Problème réparé. Et ben voilà! Et là, on se rend compte qu'il y a aussi un problème de symétrie, il faut que je casse ici. Et ben voilà! Et ben alors là, les gars. Regardez comment. En plus, il y a une tortue qui passe au-dessus, mais franchement, si c'est pas magnifique. Oh, oh, s'il faisait jour, on la verrait mieux la tortue, mais vous voyez? Là, c'est symétrique de ouf. C'est beau. Oh là là, regardez, on voit la lune. On voit la lune. Oh, c'est fou, ça va être génial. On mettra de la lumière de partout. Ça va être fantastique, les amis, je suis très content. Je suis très fier de moi. Et il y a assez de place pour faire globalement ce que j'aimerais faire. Et comme dit, on pourra toujours faire des tunnels. Et voilà, même pour se rapprocher des coraux encore. Enfin, bon, c'est fantastique. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, maximum de pouces bleus. Et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos et de prochains épisodes. C'était Mkolo. Ciao, ciao tout le monde.